Bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Siberia, le village Yukol, seconde partie. Je vous rappelle que dans le précédent épisode, nous avons fait un voyage un peu bizarroïde. Nous avons voyagé dans le coma de Hans pour tenter de le faire revenir pour pouvoir poursuivre l'aventure pour aller jusqu'à Siberia pour... effectuer son rêve. Donc là nous sommes de retour au village Yukol, donc toujours avec ma petite astuce à côté de moi. Yes, c'est celle-là. Alors toucher l'attrapeur de rêve. À 19h15, très exactement. Voilà, c'est là où est-ce qu'on s'est arrêté. Sortez et allez à l'enclos. Donc on y va. I'm in a log cabin. Kind of a hunting den. There's fresh footprints. Kid Walker came by here not long ago. Several days at most. I would guess you must have gone fishing. Find something to eat. Found some clues here. Some strange kind of bait. Canton, I'm tired. I couldn't give Jack for your namby-pamby clues. I want the girl, you hear me? Canton, I... Canton? Canton, answer me for Christ's sake! Canton! New York, are you receiving me? Badly. Canton, speak up! I... Oh, Christ. There's a minor hitch, Marston. Make that a major one! Ah oui, j'avais oublié que les employés de New York me recherchaient parce que dans le premier opus, qu'est-ce que j'ai fait? Kate Walker s'est enfui avec Hans Vorarlberg pour poursuivre son rêve. Donc voilà. Donc là, ils me recherchent un peu partout. Donc... Sauf que là, je suis très très loin pour le moment. Très très loin. Sortez et allez à l'enclos. L'enclos, c'est pas ici, je pense. Si je ne m'en rappelle bien. Suivez les rails vers la gauche de l'écran, ok. L'enclos, c'est ça. Attendez. Montez les... Ah d'accord, non ouais, ok, faut passer là. On va passer par ici. Ouais, j'ai compris. Oh, tu peux aller plus vite, Kate. Ah, sérieux, elle? On va aller lui parler à lui. Kunukmak, Tuktut.
Continue à longer le chemin de fer. Oui, bah, on continue. Ce truc est coincé. Oh, ce truc est coincé. J'ai touché à un truc. Non, ça ne fonctionne pas. Ok, bon bah ok, faut pas aller par là en fait. L'aventurière Kate Walker. J'espère. Bonjour. Kunukmak. Tuk tut. Je m'appelle Kate Walker. Et vous? Nanook Metal, tuk tut na. Nanook tuk tut. Nanook Metal, tuk tut na. J'espère que ce n'est pas moi qui vous fait peur. Bek Nanook Metal, bek, tuk tut na, na. Tuk tut. Très bien, je m'en souviendrai. Vous ne me comprenez pas. Makti Jacques. Bek Nanook Metal na. Moi non plus, je ne comprends pas grand-chose. Ce n'est qu'un train, il est en métal, comme Oscar. Bec, métal! Oui, c'est ça, tuk tut. Ce n'est pas dangereux. Merci, vous êtes bien aimable. Kulit, tuk tut. Ben oui, mais c'est parce que... Oui, mais ils ont peur en fait. Ah putain, j'étais loin quand même. Alors attendez. Attends. Un truc à faire. C'est beaucoup trop lourd. Je vais avoir besoin d'aide pour le tirer jusqu'au train. Eh mais je dois aller voir Oscar. Bonjour Oscar. Kate Walker, mais où étiez-vous donc passée? J'ai été, je dois l'avouer, passablement inquiet. Je suis là, Oscar, c'est l'essentiel. Je viens de parler à Hans et... Ah, il va donc mieux? Je ne sais pas. Il a parlé de choses terribles. Que les automates avaient été créés pour un jour... Enfin, que peut-être un jour, vous vous ouvrirez le cœur pour lui. Oscar? Ça va? Nous devrions consacrer nos efforts à faire descendre le train, Kate Walker. Qu'est-ce que Hans entend par « ouvrir votre cœur », Oscar? Chaque chose en son temps, Kate Walker. Pour le moment, l'important, c'est de trouver le moyen de conduire le train à l'intérieur de la cité. Oscar, j'ai enfin retrouvé Hans. Ah!
Et que vous a-t-il dit ? Rien. Rien ? Mais il va bien ? Non, Oscar. Hans Vorarlberg ne va pas bien du tout. Oscar, il faut absolument qu'on trouve un moyen de remettre Hans sur pied. Oui, absolument, Kate Walker. Vous avez remarqué, Oscar ? La colline est creuse et les rails y pénètrent. Oui, étrange en effet, Kate Walker. La colline tremble, une porte s'ouvre et des indigènes sortent de cette grotte. Ils sont même venus avec un câble près du train. Je leur ai parlé et ils sont partis en courant. Ouh, je ne vois pas bien pourquoi. Oscar, maintenant il faut nous remettre en marche et continuer sur les rails. C'est impossible, Kate Walker. Les ressorts de la locomotive sont détendus. J'ai bien peur qu'on ne puisse continuer notre route plus loin puisqu'il n'y a pas de remonte-train dans les environs. Oh, c'est tout de même étrange que M. Vorarlberg n'ait pas prévu cela. Il l'a peut-être prévu, Oscar. Oscar, ce masque symbolise une sorte d'esprit bénéfique pour les Yukol. Peut-être que si vous le portez, les Yukol accepteront de m'aider à tirer le câble. Je vais être totalement ridicule, Kate Walker. Ça ne me plaît pas du tout. Allons, Oscar. C'est bien parce que c'est vous, Kate Walker. Ben voilà. Allez, mets le masque. Allons, allons. N'ayez pas peur, petit Yukol. Nanook Metal, tout, tout. Bon, vous venez ou pas? Merci, Oscar. Oui, c'est cela. À plus tard. On va aller lui reparler parce que il y a des trucs que je devais lui dire, mais. Bonjour, Oscar. Bonjour, Kate Walker. Voilà. Voilà, Oscar. Nous pouvons faire avancer le train maintenant. Mais le ressort est démonté, Kate Walker. On le fera avancer autrement. D'accord, Kate Walker. Je reste aux commandes pour freiner la descente. J'ai l'impression que les Yukol ont peur de vous, Oscar. Et pourquoi donc ? Moi, je n'ai pas peur d'eux. Ils n'ont sans doute jamais vu d'automates aussi perfectionnés que vous, Oscar. Sans doute. Des types comme moi, cela ne court pas les rues. J'y vais, Oscar. Je vous attends, Kate Walker. Attends-moi. On va aller parler au Yukol. Ah, il fallait où là? Bonjour. Konukmak, Toktout. Oh là là. Mon ami Oscar n'est pas un mauvais esprit. Il a mis le masque du bon esprit. Colette, Toktout. Oh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il a l'air beaucoup moins dangereux comme ça. Vous avez vu, Oscar n'est pas dangereux. Alors aidez-moi maintenant. Le câble est trop lourd pour moi. Ganemuk, Ganemuk, Toktout. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va se passer un truc. Thank you.
Ok. Voilà, attendez. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Très facile. Ah merde, j'ai pas tourné ma feuille, comme de par hasard. Comment elle a fait pour passer ce tronc d'arbre? Toute la route quand même que je dois faire. C'est facile pour l'instant. Je lis pas beaucoup le truc en plus. Elle a retiré son Oscar, masque. ça va? Encore ici, Kate Walker? Monsieur Vorarlberg a besoin de vous. Ne lambinez pas, je vous en prie. Hans m'a dit, il faudra lui ouvrir le cœur pour moi. En serez-vous capable, Kate Walker? Et il parlait de vous, Oscar. C'est, semble-t-il, nécessaire pour poursuivre son voyage. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire, Oscar? Kate Walker, j'ai vraiment été très contente de vous avoir connue. Oscar, je ne comprends pas. Nous avons fait un beau voyage, Kate Walker. Maintenant, il est temps de se dire adieu. Mais, Oscar, je ne veux pas. Les automates sont au service des hommes, Kate Walker. Adieu. Mais en plus, dans l'air, elle attendez, était chiante. Où allez-vous, Oscar? Oscar! Je comprends bien, Kate Walker. Je ne suis qu'un automate et il est temps que je serve à quelque chose.
Tu sers pas, tu sers. Ok, bon. Va retourner dans la maison de Shaman. Oui, allô? Kate? Monsieur Marson. Kate, il faut vous reprendre maintenant. Nous sommes tous très inquiets, vous savez. Il ne faut pas, vraiment. Je vais bien. Kate, nous avons mis un détective à votre recherche. Cet homme peut vous aider et je vous garde... Vous perdez votre temps. Voilà. Ah ok, là c'est le quart d'Oscar, il y a un truc à faire. Alors là je prends le truc. 12 boutons comme le cadran d'une horloge. Appuyez sur les boutons 7 et 3 comme 7h15. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une partie s'ouvre. Appuyez maintenant sur 12 et 6. 12, 6, puis sur 3 et 9, 3, 9, récupère la... Pleure pas, ça va aller. Et maintenant, faut faire quoi? Ah, il faut retourner au train. Bah putain, ils sont sérieux. Mais non, pas là, mon gueule. Putain, faut retourner. Oh, carrément, lui. Ok, bon, on va retourner au train. Alors, est-ce que je lis en même temps de ce qu'il faut faire un peu? Sinon, je vais être perdu. Il y a un truc à faire pour aller avec le Yuki là.
tirer le levier en haut à gauche. Ok. Poussez le bouton à droite du volant central pour le faire remonter. Ce truc est coincé. C'est plus un train, ça, c'est... Ok. Baissez le levier en haut à droite. Ok. Il n'y a que deux cadrans. Tournez le petit volant. Attends, tournez quel volant là? Elle est finie? Ok. Ah, par contre, le bateau, je sais pas où il est. Apparemment, peut-être faut descendre là.
Ah, elle est là, ok. Bonjour. Bonjour, Catwalker. Nous devons reprendre notre route, grand chef. Catwalker partir? Je n'oublierai jamais votre accueil. Va revenir, peut-être, si tu veux. Merci. Merci pour tout, grand chef. Nous embarquons sur cette arche? Bateau Yokol, solide. Tu as fait un bon voyage. Je l'espère. Hans a repris un peu de force depuis sa... transformation. Dernier voyage, Hans Vorarlberg. Route plus très longue. Je sais, je sais. Suivre rêve toujours, Catwalker. Pouvez-vous ouvrir les grandes portes de la mer, chef Yukol? Kate, emmenez Amiyuki et retournez sur Arche. Grand chef, ouvrir porte. Merci. Bonne chance à toi, Catwalker. Au revoir. Au revoir aussi toi, Catwalker. Bon allez, on doit aller chercher le Yuki. On va aller le chercher. Merde, comment on fait pour l'emmener? Non, viens là, viens là, viens là. Ah merde, comment on fait pour prendre le... du puissant dans ça. Mais c'est quand même trompé. Bon. Ah, le Yuki, on fait comment déjà? À moins que c'est pas le bon. Ah, peut-être qu'il faut aller chez moi. Attends. Peut-être là, il est là, peut-être. Eh ben non, elle est pas là.
Va aller reparler au grand chef. Putain, je vais le bloquer là pour un Yuki de merde. Peut-être aller sur le bateau. Peut-être c'est un poisson. C'est un poisson, un truc comme ça, non? Êtes-vous prêt à poursuivre le voyage? Il ne manque plus que votre ami le Yuki. Vous voulez emmener le Yuki? On en aura peut-être besoin, Kate. Oui, sauf que le Yuki, il veut pas venir. Mais va dans le truc en bas, s'il y a du poisson. Rien à faire, c'est verrouillé. Bon. Je suis un peu dans la merde là en fait. Bonjour. Bonjour, Catwalker. Bon, par contre, le Yuki veut pas venir, il va continuer. Il me gaffe trop, Yuki. Ah, c'est sûr, il faut du poisson. Ça, je me rappelle, il faut du poisson. Quoi? Il n'y en a pas là. Allez, viens. Y'a rien à faire. Fouille un peu partout, hein. Pas de poisson là quelque part là. Elle peut-être. Non, là y a rien. Ok. Parler, non. En vrai, j'ai pas été par là. Et le son? Y'a pas de poisson ici?
Eh non, la ratine n'a pas de poisson, bien sûr. On va aller par là, on va bien voir. Voilà pas. On va re-rentrer là pour voir. Ça passe poisson quoi. Par ici, peut-être j'ai raté quelque chose. Et ça me gaffe ce jeu. Bah écoutez, on va faire une petite coupure et je reviens avec la solution du Yuki. Eh ben voilà, je suis de retour. Alors, je sais pas si vous avez vu la petite coupure qu'il y a eu. Je pense que oui. Je me suis... Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé la solution pour le Yuki. Vous allez vous foutre de ma gueule pour ceux qui regardent la vidéo. En fait, il faut juste ouvrir l'entelot, en fait. C'est tout. Mais comment voulez-vous que je sache? Hein? Faut lui ouvrir l'entelot, c'est tout. Il y a juste ça à faire. Regardez. Voilà. Voilà, exactement ça. Non, je vais pas faire tout le tour, moi. Merci de m'indiquer la direction, petit Yukol. Putain, mais il faut vraiment être con, hein. Allez, on va voir. Allez. Bonjour. Bonjour, Catwalker. Allez. Je dois partir vite maintenant. Shall I tell him to call later? No, I'll take him, Jesse. Sir, if I may, sounds like he's in trouble. Hand him over. Canton? Canton, where are you? In hell, Marston. In hell. I'm jacking in, Marston.
We'll never find her. Kate Walker's gone. Far away. Into another world. Can't do nothing for her now. I'm coming home, Martin. If I can. This time, we're screwed. Yep. You said it. Well, goodbye. Goodbye, Kate Walker. Ah, bravo! Écoutez, moi j'ai envie de faire le chapitre suivant qui est tout simplement... Attendez. Qui est tout simplement la banquise. Et nous ferons peut-être le final. Alors oui, d'accord, j'avais dit le village où colle, seconde partie uniquement. Mais je vais faire la banquise. Comme ça, on avance un petit peu plus dans le jeu. Partez explorer la banquise. Ok, bon bah allez, on va explorer la banquise. On a que ça qu'à faire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je regarde s'il faut rien ramasser. Hein. Près d'une carcasse de baleine. Là ou quoi? Attendez. Vous avez vu la longueur? Où est-ce qu'elle va se le mettre? Dans son soutif. Et un peu mal fait. Hein. Non, faut pas, non, ok. Ouais, continue. Mais on va que je vais être bloqué là. Continue, je... Ok, bon. Vers la gauche, c'est rien. Si j'appuie au mauvais endroit. Libérer là avec la corne de Nerval. Et voilà, nous pouvons repartir. Voilà. Partez encore sur la gauche. Débarrassé de vous, Kate Walker. Mais que c'est... Ah non! Le bateau est bloqué!
Alors. Eh ben oui. On partait sur la gosse, puis au fond, la gosse. Elle se fout ma gueule, elle. Le gamin, franchement. Bon, non, bon. Je me suis gouré, il faut partir tout là-bas. Ils disent qu'il y a un nid. Il est où ce putain de nid de merde? Là, ouais, ok. Retourne au bout de la banquise, ok. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur sa banquise. Ben voilà. Crochet.
Ok. Ah, c'est des dessins. Et ça me gave la Sibérie en fait. Je crois qu'on va finir le jeu directement parce que. Pas de crochet, il est où le crochet d'ivoire? C'est ça son crochet. Je ne suis pas capable d'accéder à cet endroit. Non, c'est vrai. Comment on fait pour l'attraper, ce pédavre? Oh, là, il y a un truc. Voilà donc ce qui bloquait cette porte. Voilà, maintenant tu montes dessus. Et tu vas attraper le crochet. Là-haut, allez. Attends, attends. Non, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Je me demande bien à quoi ça peut servir. Attends. Je suis un peu paumé là en fait. Il y a un truc à faire mais je sais pas. Il y a un crochet à prendre mais il est où ce crochet de malheur? C'est dedans, enfin, c'est obligé, c'est dedans. Ah, ça prend la tête. C'est encore un truc tout con en plus. Je ne me risquerai pas à retourner sur cette plaque de glace. Et ben monte là-haut alors, putain, qu'est-ce que c'est con elle. Cette voile, c'est peut-être ma chance. Cette voile, c'est peut-être ma chance. Dans un coin.
Ça me saoule. Ah si, je reviens. Bon, voilà. Bon, alors j'ai trouvé où est-ce qu'il faut aller. J'ai regardé la vidéo un peu pour savoir où est-ce que je devais aller. Parce que franchement, c'est un peu compliqué. Hans, est-ce que ça va? Ça va, oui. Vous êtes blessé? Il m'a obligé à descendre ici, c'est tout. On va se débarrasser de lui, Hans. J'aurais dû y penser. Yvan était caché ici. Ah oui, avec la solution. De toute façon, le jeu, on va le finir là en une vidéo, hein, parce que bon. Ça semble être un mécanisme destiné à arrêter l'arche. Alors maintenant on va là-bas. Allez, vas-y. Cours. Tout ce qu'il faut faire. Ok, bon, on va aller. Go. Wow, nous sommes arrivés à la fin de cette aventure. Bien, au lieu de faire tout de suite le chapitre final, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. La vidéo, le chapitre final, sort directement juste après celle-ci. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle aventure de Siberia, le chapitre final en Sibérie, bien sûr. Et nous allons peut-être enfin découvrir les fameux mammouths et faire le effectuer le rêve de monsieur Hans Vorarlberg. Sur ce, la vidéo se termine là pour aujourd'hui sur le village Jukol. Deuxième partie et la banquise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été nickel. N'oubliez pas de laisser le petit like et le commentaire qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'était Johnny Gaming pour vous servir.